What's up, gens internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma petite base. Donc aujourd'hui, les amis, on est en compagnie de personnes pour commencer cet épisode, du moins. Fait qu'en fait, comme vous savez, dans cette base-là, il y a moi, Xylos et Peach. Peachounette, donc qui est Coralie. So, j'ai décidé qu'en fait, on allait juste rester nous trois, qu'on allait continuer à améliorer la farm et qu'on allait utiliser l'argent que j'avais eu pour améliorer la farm, la place à Golem et aussi ben, acheter des golems dans le high shop. Parce que, comme vous savez, bon, j'ai perdu quand même un peu l'argent parce que j'ai joué des coin flips, mais sinon, avec les 400 000 qu'il nous reste, soit acheter des Iron Golem dans le high shop ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On en a acheté genre 4 maybe. Ok, c'est bon. Puis là, il nous reste combien? Il nous reste encore 200 000. Fait que je pensais peut-être acheter un Je sais pas en fait qu'est-ce qui est mieux, hein. Un creeper. Ça donne la gunpowder. On peut pas acheter des blazes ici de toute façon, fait que c'est vraiment celle-là qui est le meilleur dans le fond. Parce que la gunpowder, on peut l'échanger contre des émeraudes. Fait que ça, c'est vraiment le best. Fait qu'on va acheter genre... Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. On va acheter genre 3 creepers. Voilà. Comme ça, on va vraiment avoir un esti de bonne farm. Fait qu'on a 10 spawners d'Iron Golem au total. Parce que vous vous souvenez, dans le dernier épisode, on avait acheté à notre ami Stray. À lui. Oh, il est plus connecté. Puis là, il nous reste combien? Balles, 130 000. Ouais, je sais pas trop ce qu'on va acheter. Mais voyons voir. Oh, attends, je vais acheter les 5 points de Frostito. Ça, c'est très bon. On va acheter. C'est autre point pas cher. On va acheter tous les points qu'on voit, en fait. Let's go. Fuck off. Voilà. Let's go. Comme ça, c'est bon. Ensuite, c'est quoi les autres trucs qu'il y a qui seraient intéressants? Pig Zombie, 26 000. Ça, c'est vraiment pas cher. 45 000. C'est un peu moins cher. Mais pas vraiment, en fait. Ouais, non, on verra à la fin. S'il nous reste de l'argent, Underman, 19 000. Ça, c'est vraiment pas cher. 13 000, c'est vraiment pas cher pour un Underman. Mais ça sert un peu à rien, les Underman. Ok, ça c'est des troll keys. Qu'est-ce qu'on a ici sinon? Des blaze road, on s'en fout. Spawner à zombie, on s'en fout. Faudra peut-être que je stack Félix Pellerin, on va acheter ça. Faudra peut-être que je stack mes œufs de creep, fait que je vais acheter des œufs de creep. Parce que ça on en a pas beaucoup. Ça c'est quoi? 7000 de points. Ouh, ça c'est un peu cher quand même. On va prendre la pump cheat à 7000. Man, c'est chaud quand même, je sais plus quoi de trop. On n'est pas tout obligé de dépenser non plus, c'est juste que. On cherche des pantalons aussi P4, y'en a pas. Underman 30 000, nope, nope, nope. Ok, fait qu'on va retourner au début. 4 œufs de cri pour 4 000, oh mon dieu. Si on prend ça directement, c'est des fake clés, c'est des admin série clés. Skill of Icons, ça, je pense que c'est un fake ça. On va tester, mais ça, c'est sûr que c'est un fake. Non, même pas, c'est vraiment ma tête. Ok, lol. Je sais vraiment pas gros hein. On va prendre les œufs de creep à lui. En fond, on aurait dépensé 500 000 en genre quelques temps. Colin. C'est pas grave, c'est le but. En même temps, on ferme pas l'argent pour rien, les amis. Ça là, j'hésite entre. Voilà, let's go. Ça plus ça. Voilà. Puis on va terminer avec le petit. Il y avait un 15 000. C'était celui-là ou c'était celui-là qui était moins cher? 13 000 lui. Ah, on a pas assez. Là, le rip. Ok, bon ben rip. Rip. Quoi d'autre qu'on pourrait peut-être pogner vite fait. On a combien? Il nous reste 11 000. On va garder 11 000. Fait que on va aller mettre ça dans notre under chest. J'agrandis la farm pour les Iron Golem. Puis je vous reprends tout de suite après. On va aussi rajouter le Pig Zombie. Fait que j'agrandis ça, puis on se reprend après tout de suite. Yop, on se reprend. J'ai encore mal à la gorge, comme vous pouvez témoigner. Donc, je vais prendre mes points que j'ai eu tantôt dans le market pour en acheter une pioche à spawner en fait. Puis ensuite, on va demander s'il n'y a pas quelqu'un qui achète, qui vend des pioches à spawner. Il manquerait un point pour en avoir une deuxième. So, on va essayer de voir peut-être si on peut en acheter un point vite fait. Oh, 7000, c'est quand même cher pour un point. Hein. 6000. On n'a pas le choix. Let's go. Fait qu'on va avoir deux pioches à spawner.
Et c'est parti, mon kiki. So, là, on va faire home slash back plutôt. Voilà, donc au moins avec ça, on aura nos deux spawners qui sont mal placés, les bien placés. Et aussi, ah oui, d'ailleurs, on a un slash menu maintenant. Donc, vous n'êtes même plus obligé d'aller pour échanger vos trucs. Vous pouvez juste faire slash menu à partir de votre base, puis échanger contre de l'émeraude, etc. Vous faites comme ça, retour, vous avez les warps, la liste des grades avec les permissions de chacun. Donc, quand vous cliquez, bon, vous n'avez pas la permission de faire ce kit-là, mais vous pouvez avoir plus d'infos. Ici, on va voir tout ce que ça donne comme truc. Si vous faites slash back, vous pouvez voir ensuite le grade MVP, qu'est-ce qu'il donne comme kit, qu'est-ce qu'il donne comme avantage, voilà, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez voir ça. Donc, voilà. Donc, ici, on a celui-là à péter. Right? Ouais. Ok. Et, hop là. Et celui-là. Voilà. Boom. Et boom. Donc, on a 2, 4, 6, 8. Attends, ça fait 8. 10, 12, 14 spawners à Iron Golem. Donc on va juste boucher ça. So, 14 spawners à Iron Golem. On devrait être capable de produire pas mal de fer, les amis. Et pouvoir le vendre contre des trucs pour avoir des points. En espérant que tout ça marche. D'ailleurs, trouvons de la vite ici, sûrement de la vite, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aussi essayer de trouver d'autres spawners à blaze dans le Nether, vu que là on en a juste un. Peut-être faire des échanges, mais ouais, on va essayer de trouver d'autres spawners à blaze, parce que les blazes aussi, ça se vend très bien. Si vous ne saviez pas, les blaze c'est un des trucs qui se vend le mieux aussi avec le fer et les autres trucs dans les PNJ. So voilà, la gunpowder aussi. So, c'est pour ça que j'ai acheté 3 spawners à Creeper. Et ben là, il nous reste un spawner à Piggy, mais on va aller le placer tout de suite en haut dans le fond. Maintenant en haut. So, tac. Voilà. On va placer l'autre juste ici. Hop là, juste là. Comme ça, on pourra en mettre un troisième de l'autre côté si jamais on veut. Parce que ça prend 3 sur les côtés. Puis 2. Fait que ça serait genre 1-2 ici. Boum boum, comme ça. Donc là, on pourrait en mettre un autre si on en a un autre un jour. So, voilà, voilà. On va repérer à l'intérieur là. Voilà. Bon, toi, tu vas pas me casser les couilles longtemps. Est-ce que c'est fatigant, les enfants zombies comme ça? Hein? Calisse que ça tombe ses nerfs. Ça sert à rien, en plus, genre. Pourquoi ils ont inventé ça dans Minecraft? Ok. Faudra que je fasse quelque chose. Mes spawners sont pas super bien faits, surtout les trucs ici pour les enfants. Faudra que je fasse comme l'autre, en fait. Comme ça, les enfants, ils seraient pognés en bas. Faudrait que je fasse ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, les enfants restent en dessous, là. Comme ça, voilà, on peut juste les taper là, puis on s'approche pour récupérer l'XP. Ouais, je vous avoue, là, c'est mieux fait. Donc, ouais, c'est ce que je disais, en fait, pour les spawners à Creeper, parce que je sais pas si je vous avais montré, je pense que je vous avais pas montré. Mais les deux spawners underman, j'avais mis ça ici, puis j'ai fait ça comme ça. Puis en gros, les deux underman, bon, on peut venir farmer les perles ici. Comme on peut voir, il y a 400 underman. Et donc, voilà, tu sais, ça spawn quand même assez bien, il y a deux spawners. Puis vu que, normalement, c'est dans la grotte, fait qu'il fait, il fait noir, il y a juste les potes de lave qui sont pas comptés comme de la lumière, ben, ça spawn super, super bien. Je te vends 3 points pour 10, 13 000. J'ai que 4 000, désolé. Juste 4 000, les boys. On va commencer à, justement, refarmer des points. Fait que, ben, qu'est-ce que vous en pensez qu'on ouvre notre kit YouTube pour cet épisode-ci? Donc, slash kit YouTube. Oh, je peux pas utiliser ce kit-là. Je l'ai utilisé il y a 4 heures, c'est vrai. J'ai fait une vidéo avec iSuite il y a 4 heures. Donc, je peux pas le faire. Donc, bon, ben, je vais farmer un peu, les gars. Puis, aussitôt que je vais avoir plein de trucs à aller vendre, ben, on va les échanger pour vendre des trucs, quoi. Donc, ben, à tout de suite. Okay. Les gars, on se reprend. On se reprend, les gars, et on est en compagnie de Pitchounet et Xylos. Aujourd'hui, on va agrandir un peu notre... Bonjour, les amis. On va agrandir notre... Ça va, Pitchounet? Oui. Ça va, Xylos? Oui. T'essaies de l'imiter, là? Ouais. Donc, aujourd'hui, les gars, on se retrouve. Dans le fond, on va agrandir notre farm à golem. Comme vous savez, on avait un petit problème avec notre farm à golem. En fait, on pouvait plus vraiment mettre... On n'a plus d'espace vraiment pour mettre des spawners. Comme vous voyez, en fait, ça l'amène, genre, dans un trou libre ici. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. C'est qu'on va faire... ici, on va creuser, on va mettre des spawners. Ils vont spawner, vu que comme vous voyez, les blazes sont en dessous, etc. Puis, en fait, ça va faire qu'on va être juste au-dessus. Donc, ça va encore mieux spawner. Et puis, on va mettre des sources d'eau qui vont se diriger vers ici pour qu'ils puissent descendre pile poil ici. Merci. Donc, ça prend exactement... vous êtes sûr que ça va pas tomber dans la lave ici?
De quoi? Faut être sûr que ça arrive pile poil l'eau ici. Fait que faut, je pense qu'il faut creuser encore En deux fait, là. ça fait 8, ça fait 8, ça fait T'es 8. sûr? Bah oui, il compte. Il bloque. C'est Pas 9 juste 2. gros. Non, c'est 8. C'est 9, je te jure. Mais non, l'eau elle va que sur 8. Ok, pardon alors. T'es Peach, t'es un pseudo? On va calculer. Si Xylos il s'est trompé, Xylos tu me donnes tous tes PB. Ok, Ok, j'en ai pas. essaye. Putain, Xylos il avait raison, le bâtard. Tu me donnes tous tes PV? J'en ai pas donc ça Bah, va. mec, t'en as illimité, tu m'en En vrai, passes. j'en ai 15 000, mais je vais pas t'en donner 15 000, t'es mal. Bah, tu m'en donnes. Je donne 0 gros, t'es un pigeon. Ok. Donc, en gros, ouais, c'est ça, on va faire ça. Comme vous avez un peu compris le principe, le but c'est que on ait plus de spawn golems. On a déjà 14 ou 16 golems. On en a combien, les gars? Attends. Ouais, avec 2. 7, je pense. QWERTY. C'est pas du gif aussi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, right? Puis on en a. Xylos, t'en as combien? Un, Que je puis gagnais pas de Nomis. foutoir. Nomis, il est toujours quoi? Parce que Nomis, Elle a je dit pense qu'il y en quoi? a encore deux. Ah, il a combien de golems lui? Parce que c'est ça, on va farmer. En vrai, une farm à faire, elle est vraiment pire. On a modifié Il tout. est allé souper, ok. Ok, Il y super. en a deux. Il y en a deux. Fait que, genre, au total, ça nous fait une vingtaine de spawners, ou près de 19 en fait, right? Parce que 16 plus 3, ça fait 19. Non? Attends, je vais compter sur mes doigts. Stop. 1, 2. Je rigole, les gars. Il faut faire un de plus, ok. Walou, Allons donc, ça. Peach, elle va faire des sources d'eau infinies. Puis, Ok, mais faut pas monter nous, là. attends, attends, on va. Faut mettre de la vite avant. Ah mais j'ai 15 sous. La vitre. Ben, il faut mettre la vite au-dessus des spawners. Ah oui, bah j'en ai, tiens. Vas-y, donne, je vais le faire moi. J'ai augmenté de 1 pour poser ce bonheur. Vas-y, vas-y. Ok, donc moi je vais me rendre au spawner. Comme ça. Tac, tac. Tac, tac. On a fait ça ici pour que ça soit plus propre, hein, les amis, bien sûr, vous avez compris. Vous êtes pas cons. Enfin, malgré que si certains d'entre vous le sont. On peut pas se le cacher. À ce qui paraît, okay, savez vous savez ce que Peach m'a dit? Elle m'a dit que j'étais pas gentil avec mes abonnés. Aïe, aïe. Moi, je trouve que je suis gentil avec vous, les amis. Je vous donne des grades, je vous donne des clés quand vous regardez mes lives. Mais elle, elle trouve Il donne toujours. des grades à 100 euros. J'avoue. Mais je suis toujours pas gentil. Ben, tabarnak. Mais tu dis que son con. C'est Ah, je sais pas. de l'amour. C'est comme toi, je t'insulte tout le temps, mais c'est de Non, c'est l'amour au pas. fond de moi. C'est comme toi, regarde, tu m'insultes tout le temps, mais c'est de l'amour, tu vois? C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. On est trop romantique, Coralie. MDR! Bon, je peux perdre en haut, moi, ou pas? Boum! C'est bon. Donc, on installe les spawners où? À 2 du mur ici. Ensuite, espace de 2 ici. Ensuite, espace de 2 ici. Espace de 2 ici. Espace de 2 ici. Voilà, mon amigos. Bravo. En fait, je les ai mal placés de ouf, les spawners en bas là. Bon, c'est pas grave, ça reste la même chose. Ensuite, il faudra mettre un spawn. En fait, on pourra mettre deux spawners si on met ça comme ça. On pourra mettre deux spawners sur chaque truc. Donc, Xilo, je te laisse la chance de mettre ton premier spawner dans ce nouveau truc, quoi. Version. Cette nouvelle version de notre base. T'es prêt? Et là, il va le placer à côté, je le sens trop. C'est le genre de Xilo de faire ce genre de conneries en plus. Il a réussi, les gars! Il a réussi! Et là, il va mourir dans la lave. Est-ce qu'il a bien tombé? Ouais, il a bien tombé. Oh putain. Je suis en train de mourir. Bon, bah, nous et Peach, on va sortir par la vraie place, quoi. Moi, je suis sortie, c'est bon. Vas-y, viens-t'en. Et on va laisser mourir Xylos. Donc voilà. Bon, on a grandi nos blesses. Oh, aussi, je t'ai pas dit. QWERTY. C'est toi qui as rajouté les deux blaze. Je sais Non, pas mais si il c'est avait pas lui. l'air d'être déjà réparé. Ouais, mais c'est lui ou c'est Nomis? C'est ça que j'essaie de savoir, moi. Ah, c'est les spawners anomis, mais c'est lui qui les a mis. Tu les as eu comment? Je crois que c'est anomis. Icon, si tu regardes.
Ouais, je récupère mon pote, pourquoi? Ok. Bah non. Ok, mais je trouve ça assez un négatif. avec pioche et l'autre avec monnaie, super. Donc en gros, il y aura eu deux autres spawners et puis ça va spawner encore plus vite, fait qu'on va continuer à farmer les blazes. On est coucou, t'as combien de points toi? J'en ai plus. Tu les as mis dans la faction? Oui. Est-ce que je les mets dans la fac? Ouais, vas-y. Deux secondes, je pose après. Parce que là on est cinquième. Il y a la cible qui est arrivée dans le classement d'un coup là. Slash point. Classement. Ouais, ouais, ouais. La cible. Ah oui. Putain merde. Ouais. Slash point. Sub. Meet. Regarde maintenant. Pour un classement, on est 76, quatrième avec 76. Il nous en manque juste un. J'en ai un de et... juste après que là que je dois aller changer. Ouais, bah Coco, elle doit vendre des blocs. T'as des blocs d'émeraude, Coco? Ouais, j'en ai 54. Ouais, va les échanger contre des points et tu mettras les points au classement. Comme ça, on va passer troisième directement. Pile poil, boum boum. Avec fin le seul et l'unique. Attends, mon pote. Attends, je rec, mon pote. Dis-lui. Je pense qu'il est dans notre fac, de toute façon, donc il voit. Donc, aussi, oh oui, je vous l'ai peut-être pas dit, mais finalement, on a farmé les underpearls. Puis, vu qu'ils sont maintenant échangeables dans le iShop, ça va super bien. Fait que ça lui donne un emerald pour deux stacks. Fait que ça va super bien pour Wapalai. Pour farmer les. En fait, moi, Pipi, on se mettait à côté tantôt, puis on les faisait toutes. On les tuait toutes, quoi. C'était vraiment drôle. Comme ça, regardez. Boum, 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 boum. Oh, j'ai rajouté 4 points. Parfait, GG. Genre, ça t'a donné 4,50 trucs. Ouais, bah c'est pas grave, t'as pas vraiment besoin de bug de moi, ça sert à rien pour les points, tu sais. Donc, c'est. Un peu plus de pierre. Pourquoi on est combien? Ok, j'ai 3 stacks de blocs de fer. On est rendu combien fait points classement, dis-moi? On est 3ème. Non, bah ça va, au calme. On va là, on va continuer et on sera peut-être premier un jour. Un jour. Un jour. Et là, dès qu'on va être premier, je vais terminer la saison. Je vais dire, ouais, bah c'est terminé, allez, GG. Comme ça, bah je vais gagner 250 € et c'est bon. On empoche la thune, tous les joueurs sont fâchés, quittent tout le serveur et c'est bon. On se tient avec les 4 millions d'euros qu'on a fait. Et on ouvre Cafaction. Voilà, très bonne idée ça. Aucun remboursement de grade aussi sur Cafaction. Faire plus de thunes, voyons. Bon, parfait, j'ai farmé un peu d'Underpearl. Y a-t-il des blazers et tout? On va vendre tout ce qu'on peut. Je pense qu'il y avait du fer ici. Que... Ok, super. J'ai 15 euros. Parfait. Plus. Je vais aller vendre aussi au spawn. Ah non, en fait, je suis pas obligé de. Je peux faire ça. On prend plus attention. T'as pas vraiment un point de plus, Xylos. T'as pas vraiment un point de plus, Xylos. Oh non, Xylos. T'es pas sérieux, Xylos. Ça va super bien le menu pour vendre en vrai. Hein. Enfin, franchement, là. Crissement rapide. Par exemple, il faudrait qu'on rajoute les perles. Il y a plein de trucs qu'on va rajouter dans le menu qui était ou pas. C'était juste ça. C'est juste la première version du menu. Il est pas totalement fini. Ouais, c'est ça, on va rajouter des trucs que vous allez nous suggérer au fur et à mesure. Mais vous pouvez voir tous les détails des grades, etc. Et beaucoup d'entre vous nous le demandaient. So, c'était vraiment important pour le staff de le faire, quoi. Donc moi, j'ai personnellement, j'ai 21 émeraudes à te donner, ma très chère femme. Où êtes-vous? Ok, ben viens, on se rencontre à la base. Comme ça, on est sûr de pas se faire harceler et voler nos items. Y'a Xylophone qui ferme les blazes. Et non, y'en a pas. Bah oui, y'en a un là. Voilà, bravo Xylophone, tu l'as tué, bravo. Sinon, on a aussi les pics zombies. Je pense que je l'avais dit. Regarde, je vais vous montrer vite fait, on en a deux. Et puis les zombies normales, on en a aussi deux. Donc voilà, assez pratique. Bien sûr, les amis, j'ai X-Ray pour vous montrer, inquiétez-vous pas. Vous pouvez dire dans les commentaires, icons banned for X-Ray. Ose même pas me donner la... Xylophone, c'est bon. Xylophone, il est kick de la faction, tué dans une trappe. Il mérite juste de mourir. Bon, fait que c'est ça les gars. En fait, ça produit hyper vite le fer. Bon, Xylos, lui, il vend les fleurs parce que ça lui donne 1$. Un plamentaire 20$. Mais nous... Nous, on le vend pas. Nous autres, on fait juste prendre les trucs et on les vend directement. Tiens, Coco. Vous êtes bien trop bourge. Coucou, elle vole tout le fer, donc aussi bien lui donner maintenant. Et puis voilà les gars, je vous reprends un peu plus tard pour une autre séquence ou ben voilà, je vais vous reprendre ben, tout de suite après. Et que j'ai 67 levels, je fais quoi? Je sais pas, ouais. Tu fais ce que tu veux. 180.
J'en ai 170. Oui, mais toi t'es extra et puis tu... Ouais, comment tu sais qu'elle cheat? J'ai vu une vidéo vérité sur elle. Ouais, je me dis. J'ai une autre. Je le sais sur le serveur, hein, mais. Essayez de mettre mon ordi dans mon lit et on pourra jouer tous les deux. Je suis assez dérangé. Dans ta tête, ouais. Bon, je vais bientôt aller me coucher. Je demande à Neoz. Message Neoz. 20€ PayPal. Pour 700k. Il y a un mec qui a gagné un spawner à Golem. Comme moi, dans ma caisse gratuite. GG. Ok. Dans 16 heures, j'ai mon kit YouTube. Wow. Combien de kit YouTube? J'ai 6 clés dans mon EC. Putain, il me saoule les gens à demander un café alors que je sais même pas faire. Ils veulent faire. Ils veulent quoi? Un café. Wow. Fais. Ok, fais. T'es obligé de le dire. Flash 4 et start, voilà, c'est fini. Et dis, voilà. Dis, voilà, je l'ai fait. Non. Vas-y. Dis-le, voilà. Dis, voilà, KT join. Non. Fais-le. Flash 4 et join. Tu veux le stop icon? Tu veux le stop icon? Non, je sais même pas c'est quoi le kit, gros. J'ai aucune idée c'était quoi le dernier kit. Ça prend le dernier kit qui a été config. Il dit que le gagnant gagne une pioche de spawner au pire. Ah merde, il a commencé. What? Je peux pas slap. J'ai icons, on fait le tournoi. Non, moi j'ai pas fait. Moi je vais le faire. Pas rigoler. Dis 8 team interdit. Dis team interdit, vite vite pitch, tu dois le dire. Tu dis Uban. Ah c'est mon kit. Un kit P1T1, U3. Merde, j'ai 67 level, pas grave. Je l'ai remis. J'en ai dernier, on se reprend. Donc, j'ai fait un échange avec Neoz. Donc, vous savez, Neoz était le baltop premier avec 700 000. Je lui ai échangé contre des spawners. J'ai échangé l'argent contre 20€ PayPal. Parce qu'il avait fait aussi du design et tout pour moi. Et puis en échange, lui, il m'a donné tout ça. Il a fait le design de ma chaîne CSGO. Si vous voulez aller voir d'ailleurs ma chaîne CSGO, allez-y. Je l'avais payé pour ça. Puis lui, en échange, il m'a donné aussi 700 000 sur le jeu. Donc j'ai acheté 2, 4, 6, 8, 10. J'ai acheté genre 8 spawners, je pense. Ouais, on a acheté genre 9 spawners à Iron Golem. Et on a aussi acheté 2 points. Fait que c'est ça qui reste. Il reste aussi encore 140 000. Je vais vous montrer ici. Il me reste encore 140 000. Donc voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je vais acheter avec ça. Mais j'ai quand même pour l'instant 2 points, j'ai quand même, voilà, qu'on a quand même bien... Ah oui, j'ai acheté 10 en fait, mais j'en ai placé un à côté, j'ai dû le casser avec ma pioche vu que je l'avais placé à côté en tout cas. Grosse histoire, oui. Donc c'est justement, c'est lui, Neoz. Tu veux bien confirmer pour ma vidéo qu'on a bien effectué un échange pour 700k. Juste pour, vous prouver les amis qu'il n'y a pas d'arnaque ou quoi là, je n'arnaquerai pas comme ça quand même, je suis pas un fils de pute. Je confirme largement. Donc voilà. Fait qu'en gros, j'ai genre énormément de spawners, si on peut voir, regarde. Ça fait, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 26 spawners au total. Plus 3 à Blaze. Plus 2 pigman et 2 zombies. Donc voilà, j'ai utilisé l'X-Ray. Donc vous pouvez marquer X-Ray icons dans la description. Lalalala. Il a un pseudo. Ok. Neoz. Coin flip à 30k. On va voir si on peut se faire un petit 30k. Peut-être essayer d'aller chercher un spawner en plus. Vas-y. Ok, attends.
Je suis plus en combat dans 3 secondes. Voilà, voilà. CF, let's go créer le. C'est parti. 30 000 Neos. Bonne chance, Neos, mon pote. J'adore faire les gangs contre toi, c'est un des joueurs les plus genre full play, même s'il perd ou qu'il gagne, il, genre s'il va, il va pas faire, il va pas dire de la merde ou quoi. Et on a gagné, yes sir, yes sir, GG. Fait que ça c'était bon, on a fait un petit 30 000 de plus. Je pense plus qu'il lui reste beaucoup d'argent. Go, coin flip à 50 000, let's go. Ah là, 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 les amis, c'est là qu'on se commence à tout perdre après. Let's go 50 000, si on gagne celui-là j'arrête totalement, si on perd j'arrête aussi les amis. Parce qu'il faut pas trop perdre quoi, on aura juste perdu 20 000, fait que ça va être parfait. Oh putain, ouais c'est pas grave. C'est pas grave. GG. Fait que là on a combien? 125 000. C'est correct, on a juste perdu 20 000. Fait que on arrête. À tout de suite.